Précédemment, dans le conte de Castelbajac. Tu n'aimerais point qu'il arrive malheur à ta descendance. Je m'en vais enquérir le roi que la pucelle d'Orléans est morte. Êtes-vous le sieur Gilles de Rais ? Oui, oui, je suis Gilles de Rais. Non, mais je suis le plus fidèle des chrétiens ! Il y a l'heure, mais... À genoux devant ton roi, maintenant. Garde, arrêtez-le et mettez-le au cachot. Ce qui concerne la bataille de Gerberoy, je pense néanmoins ta victoire nous est... Je suis tout puissant. Ma très chère enfant, veuillez nous laisser. Je crois que nous avons des choses importantes à régler. Oui, père. Bon, j'en étais où ? À la bataille de Gerberoy, sire. Ah oui, c'est ça. Prévenez-moi quand l'ennemi capitulera. Fort bien, Votre Altesse. À propos, avons-nous des nouvelles de Castelbajac ? Il se trouve à Montmagny, monseigneur. Je vous avais dit de rester à Montmorency. Je demande à votre majesté d'appréhender Castelbajac et de le mettre au fer. Permission accordée. Vous allez enfin pouvoir vous débarrasser des boulets attachés à vos chevilles, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vos sentiments dans ce domaine sont clairs ? Ils sont clairs, Votre Majesté. Lorsque vous l'aurez arrêté, je vous demande de l'amener devant moi. Je ferai selon vos désirs, Votre Majesté. Bien. Baissez-vous. Pardon ? Mais baissez-vous, vous dis-je ! Vous êtes mon préau, vous êtes trop grand ! Je veux voir ça, là, là ! Vous pouvez disposer. Allez. Psh, psh. Est-ce qu'elle est encore celle-là ? Marie ! Marie ! Marie ! La plume est plus forte que l'épée. Mais la folie qui hante mes pas est-elle plus forte que mon cœur ? Lors de notre rencontre, vous n'accabliez pas de tourments. Votre esprit déjà si tourmenté, Urbain. Mais où est-on caché ce poète qui m'a appris à lire ? Je vous reçois tel que vous êtes, mon bel ami. Vous et votre corbeau noir qui vous fait tant douter de votre noblesse. Marie. Qui voudrait votre beau nom tourné, il trouverait aimé. Aimez-moi donc, Marie. Urbain, qui voudrait votre beau nom tourné trouverait... Niabru ?
Bénur, aimez-moi donc, Bénur. T'en presse, Marie. Il me faut vous quitter sans tarder. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Il n'ira nulle part et vous non plus, mamie. Surprise! Vous croyez vraiment que votre petite amourette clandestine n'arriverait pas jusqu'à mes oreilles? Emparez-vous de lui. Fuyez, Urbain. Dépêchez-vous. Non, ma reine, j'en ai assez de fuir. Comte de Castelbajac, vous êtes reconnu coupable et condamné au cachot à vie pour avoir commis l'adultère sur la reine de France et pour l'avoir engrossé d'un bâtard. Ah bah enfin ! Que voulez-vous, Charles ? Je sais plus. À table. La plume est plus forte que l'épée. Charles VII, par la grâce de Dieu, roi de France, ordonne l'arrestation du dit Urbain de Castelbajac pour les motifs suivants. Meurtre de gardes royaux, massacre de la famille de Saffré, destruction et pillage de leurs biens, acte de blasphème, faux témoignage, et bien sûr, perpétuation du crime et du vice contre nature. Avez-vous quelque chose à répondre ? Bien, finissons-en. Vous avez eu grand tort d'oser me défier. Vous ne manquerez à personne, pas même à la reine. Oh. Ah.
Mais tu es... Le comte va-t-il se sortir de cette situation délicate? Et qui se cache derrière le masque du prévôt? Daniel Prévôt? L'abus de religion peut-il causer une crise de foi? Vous le saurez en regardant le prochain verset du conte de Castelbajac. T'as vu vous mangez tout le temps, vous? C'est du remuelet. À force d'en manger, ça finira par porter votre nom. Tergoul de janvier.